Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur médium en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler des aliments qui guérissent et qui guérissent contre un grand nombre de virus. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube, car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies. Cela vous permet également de participer au concours hebdomadaire pour gagner un soin énergétique ou un des livres que j'ai écrits. Et sous cette vidéo, vous trouvez, comme d'habitude, des liens utiles, à savoir mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Et vous trouverez également le lien des pierres de cohérence, des pierres programmées, encodées pour vous et qui agissent aussi bien sur la santé que sur la spiritualité. Allez peut-être y jeter un petit coup d'œil et vous verrez que cela pourrait éventuellement vous convenir. Les aliments qui guérissent. Certains fruits et légumes aident votre organisme à se débarrasser de l'EBV et à guérir de ses symptômes. Parmi la liste que je vais vous donner, il faut en choisir au moins 3 par jour, idéalement bien sûr plus, en effectuant une rotation de manière à tous les consommer en l'espace d'une ou deux semaines. Les myrtilles sauvages, elles participent au rétablissement du système nerveux central et chassent du foie les neurotoxines de l'EBV. Le céleri, il renforce la production d'acide chlorhydrique et fournit des sels minéraux à l'ensemble du système nerveux central. Les choux de Bruxelles, riches en zinc et en sélénium, ils aident le système immunitaire à lutter contre l'EBV. Les asperges, elles détoxifient le foie et la rate, tout en fortifiant le pancréas. Les épinards, ils créent un milieu alcalin et fournissent des micronutriments très digestibles au système nerveux. La coriandre, c'est un chélateur des métaux lourds tels que le mercure et le plomb, aliments très appréciés de l'EBV. Le persil, il aide à éliminer les excès de cuivre et d'aluminium favorables à l'EBV. L'huile de noix de coco, antivirale, c'est également un anti-inflammatoire. L'ail, ses propriétés antivirales et antibactériennes en font un aliment de choix. Le gingembre, il favorise l'assimilation des nutriments et agit sur les spasmes dus à l'EBV. Les framboises, riches en antioxydants, elles chassent les radicaux libres des organes et du système sanguin. La laitue, elle stimule la fonction péristaltique et participe à la détoxication du foie. La papaye, elle soigne le système nerveux central et augmente la production d'acide chlorhydrique dans l'appareil digestif. Les abricots, ils participent à la reconstruction du système immunitaire et fortifient le sang. La grenade, détoxifiante, elle purifie le sang et le système lymphatique. Le pamplemousse, riche en bioflavonoïdes et en calcium, il soutient le système immunitaire et chasse les toxines de l'organisme. Le chou frisé, il est riche en alcaloïdes spécifiques qui protègent contre le virus tel que l'EBV. Les patates douces, elles participent à l'élimination des déchets et toxines présents dans le foie. Le concombre, il fortifie les reins et les glandes surrénales tout en chassant les neurotoxines du système sanguin. Et enfin, le fenouil, il contient des composés antiviraux assez puissant pour combattre l'EBV. Voilà, tous ces aliments, prenez-les peut-être le plus possible, cela vous fera du bien et je vous dis à tout bientôt. Merci de votre attention.